Comment s'organiser dans les meubles en carton et comment stocker votre carton une fois que vous avez réussi à en trouver? Alors, moi, pour ma part, j'ai une cave, donc ça me permet de stocker des quantités assez importantes de carton, mais il y a beaucoup de gens qui sont en appartement, qui n'ont pas cette chance-là. Alors, ce qui est important déjà, c'est que bah, l'endroit où vous allez stocker votre carton, il soit vraiment très sec. Ce sera impossible de le garder dans un endroit où il y a de l'humidité en permanence, parce que bah, votre carton va s'abîmer, il va moisir. Donc, moi, ce que j'ai fait pendant longtemps, vu que j'avais pas de cave dans mon ancien appartement, bah, ce que je faisais, je le stockais derrière mon canapé. Il y en a qui vont vous dire peut-être qu'il faut le stocker à plat, mais le problème c'est que c'est un peu difficile à gérer. Donc moi je le calais bien derrière mon canapé et je mettais mon canapé devant. Comme ça me permettait de stocker mon carton.